Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 13e et avant-dernier épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 3. Et oui, avant-dernier épisode, je l'avais expliqué à la fin de l'épisode précédent, je veux faire une saison de 14 épisodes de manière à ce que ça fasse à peu près 2 mois d'épisodes, ce qui est assez bien, donc voilà. Je ferai une saison de 14 épisodes, du coup. Il nous reste deux autres épisodes pour essayer de faire un maximum de dommages possible avant de faire une petite pause, de changer de let's play, tout ça, d'aller voir un peu ailleurs pour revenir bien sûr plus tard hein, sur le jeu. Mais voilà, je voulais faire une pause et pour ça, il faut qu'on avance tout simplement. Il faut qu'on fasse un gros carnage, ce qu'on avait à peu près fait au château de Jamied, qu'on a récupéré du coup au Royaume des Nords. Mais ce qu'il nous faut maintenant, parce que là on avait pris quand même un peu cher... Ce qu'il nous faut, c'est récupérer des unités. D'ailleurs, je vais d'abord passer à Almar, voir s'il n'y a pas un rançonneur, parce que j'ai des persos à rançonner. Ah oui, attendez. C'est en bas. Marchand de livres, Jérémus, Guetteur. Ok, non, personne. Jerisburg. On peut rien faire d'autre. Ok. Place du marché, les biens. Est-ce que j'ai assez de bouffe? Oui, j'ai assez de bouffe. Porc pourri. On va vendre le porc pourri, on va vendre le porc pourri, bœuf pourri, yeah. Ok, on va virer les dattes, ça me sert à rien, la bière ça me sert un peu à rien, ils ont l'air de pas la boire. Le vin aussi, le sel aussi. Ça aussi. Du coup je me dis qu'il faut peut-être que j'achète un peu de bouffe quand même. D'accord. J'ai oublié de faire un petit truc, 2 secondes. Oup là, désolé, gros bug, il y a tout qu'à pointer. Donc voilà, ça y est, j'ai récupéré, donc je disais, je me suis un petit peu déplacé. En fait, j'ai enregistré alors que... Enfin, j'ai enregistré la voix, mais j'ai pas enregistré la vidéo, du coup c'était un peu con. Donc je disais que, tout simplement, j'ai récupéré des unités, voilà, tout ça. Et donc là, l'objectif, c'est de récupérer le château de Karaf, si on peut le faire. Récupérer le château de Karaf et ensuite voir ce qu'on peut faire dans ces zones là parce qu'il faut prendre les grandes villes parce que j'ai fait le compte les royaumes des nords à 7 grandes villes, nous on en a 11 ou 12, je sais pas trop en fait, j'ai compté 11, peut-être 12, je me souvenais plus, donc voilà, il va falloir qu'on commence à prendre des grandes villes sinon ils vont commencer à nous grignoter tout doucement et ce qui est pas cool. Alors ce qu'on va faire, du coup là on est à 121, bon on n'a pas des super unités. Alors, attendez. S'il y a des unités qui peuvent monter, ah, voilà, un sergent Rodoc c'est cool, des amis soignants qui up c'est cool. Voilà, je veux des sergents Rodoc, hein. Je veux plein de sergents Rodoc. Toc, j'ai pas peut-être pas assez tirailleurs, bon c'est pas grave. Autant y aller, on va tenter le truc. C'est des échelles donc ça va aller vite. On va juste voir s'il veut pas se rendre, ok. Bon bah allez. On va aller les fracasses. Avantage de combat de 0. Oula, c'est vrai que je vais peut-être faire ça avant de me prendre des flèches comme un con. Cette fois-ci, on va peut-être essayer d'arriver à conserver pas mal d'unités avant de commencer à attaquer. Étant donné qu'on n'est pas obligé de. Ah, mais il y a une deuxième échelle. Oh l'intelligence. Je vais être très intelligent, vous allez voir. Je suis monté par la deuxième échelle. Oh mon dieu, ce niveau d'intelligence. J'ai au moins un doctorat. Au moins. Ah oui, par contre. Ils sont un peu beaucoup. Alors voilà, donc désolé si je parle pas beaucoup, là j'étais juste concentré, je réfléchissais à ce qu'il fallait que je fasse. Mais en fait faut que je pète eux avant qu'ils commencent à m'embêter. J'avais pété les tirailleurs. Bon pour l'instant c'est un gros massacre, c'est cool. Allez viens dès là. Monstre. Je suis un monstre. Ok, un mort pour 4 blessés chez nous, 36, 7 chez eux. Oula, oula, je me suis raté. La version à reculons, c'était pas bon. Pour l'instant, on fait le café. Ça avance bien, c'est cool.
Alors par contre, il va falloir vous pousser un petit peu pour qu'on puisse descendre. Alors, oula. Là c'est pas bon. Là je suis pas bon du tout. Oui, je vole. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on peut commencer à descendre, c'est cool. Alors, attendez. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ça. Voilà, raté. Alors, toi, je vais m'en occuper. Voilà. Allez, essaye de me tirer dessus. Bim. Aïe. Oh la vache. Il a réussi à résister à un de mes coups de bas en haut. De haut en bas, pardon. J'adore les flèches. Porc épique. Oula. C'est vrai que c'est la zone de pop ici. Ah, c'est des cavaliers saranides, ils sont un peu plus forts. Faire gaffe. Oula, oula, oula. Ah oui, c'est vrai que eux, ils sont bien armés, avec une grosse armure. Bim, dans la tête. Oula. Oh là, mais les cavaliers sont en train de faire un massacre. Oula là, oula là. C'est les derniers, mais alors ils sont en train de nous faire un sacré massacre. Ah non, mais pousse-toi, je vais pouvoir passer. Ah, ils sont pas longs. Il reste plus personne là. Il est tout seul. Yay! Oh, 11 morts seulement? Bah dis donc. 11 morts seulement, bah c'est cool. Bon bah du coup, on va recruter de temps quelques gens. On va en capturer d'autres. Voilà. Voilà, voilà. Ok, bon bah on va pas le demander. Parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est un peu la merde de récupérer un château vide. Ça sert pas à grand chose. Donc là, on va pouvoir upper les unités. Ah, oh, des sergents Rodok, plein de sergents Rodok. Des mamelouks. Des chevaliers, c'est cool tout ça, c'est très très bien. C'est très très bien, très très bien. La milice. Je vais récupérer quelques arbalétriers aussi parce que j'ai l'impression qu'on en a pas assez. Voilà, ouais. Nickel. Ah aussi, il y a Martide. Tu sers à quelque chose, Martide? Marnide, pardon. Marchandage et chirurgie. Bon. Marchandage, je peux pas le payer. Chirurgie, tu peux pas le payer. Bon, bah... Au cas où, voilà. Je te monte en tactique. Ok. Ah bah du coup, c'est lui qui est en tactique. On est bon, on est même très très bon, parce que là du coup on a encore récupéré un château. On va visiter la taverne, voir s'il n'y a pas un rançonneur. Nope. Nope, nope, nope. Alors là la question c'est à quoi on s'attaque. Une grande ville ça va être compliqué je sens. On peut toujours essayer d'aller voir, hein. On va aller voir du côté de Durkuba. On va voir du côté de Durkuba, voir si on peut pas... On peut pas voir... Enfin on peut pas tenter une approche... De type qui fait mal. Et aussi, voir s'il n'y a toujours pas un rançonneur. Ah, piège.
Ok, qui sont les ennemis? Moi, je trouve les ennemis, hein, d'abord. Ok, il y en a un là. La flèche qui est bloquée par le mur. Alors, il y en a deux autres, il y en a un autre là-bas. Ils savent pas viser, de toute façon. Et comment dire? Ils sont un peu faiblards face à ma... mon épée. Voilà. Bim. Bon, je voulais visiter la taverne. Scald de nomade, arbalétrier. Ah, rançonneur. Toc, les archers charanides. L'archer saranide. Eh. Tu vas dire. Je me fais masse boulesse. Voilà. Il y a les héros, tout ça, on s'en fiche un peu. Parce qu'on est bon. Inventaire. Oula, plus de bouffe, plus rien. Je suis à sec. Voilà, on est bien. On est bien. Voilà, on va aller voir du côté du... Bah déjà de là. Hop. Ah, attaquer les bandits. Putain, ça fait un peu d'expérience. Il y en a 49. J'ai une armée. Plus on a des alliés, ça va être n'importe quoi, ça va être drôle. Tiens, je l'ai même pas tué, hein. Quoi? Ah, je devrais pouvoir les tuer comme ça. Ça serait vraiment pété, mais... 7 points de dégâts? Ah oui, d'accord. C'est genre, je l'ai effleuré. Je lui ai mis un coup de fleur. J'avais une fleur dans la main et puis je lui ai mis un petit fleur. Bon, j'ai pas mal de chiens à viser. Attention, ils se font rouler dessus. De façon lolesque. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà, on a gagné. C'était rapide. Ça fait un peu d'XP. J'ai servi à rien. C'est cool. Toc, on va récupérer des trucs. Voilà. Encore des sergents Rodoc. Hop. On est bien. On est même très très bien. Alors, du côté d'Abba. Oh. Ça fait penser à un certain groupe de musique. Lol. 186, c'est un peu beaucoup. 361 aussi. Ça fait un peu beaucoup. Quoique 186, vu qu'on arrive à rouler sur du 160, bon, j'ai envie de dire. Hein, 186. Easy. Easy poney. Y a quoi dedans? Les tirailleurs, troupes de vétérans. Il y a beaucoup de troupes de vétérans. Quelques maîtres archers. Ouais. Ça m'a pas l'air bien compliqué. Plus, c'est des échelles. Donc, ça prend pas longtemps. Comme ça, on va péter le château de Samara. On fait une entrevue. Ok, d'accord. Ben allons-y. Bouclier. Avant de se prendre des flèches perdues. Comment ça? 9 points de dégâts. J'ai rien demandé, moi. Bon, allez. Y a pas une autre échelle que je puisse les backdoor, comme on dit dans le milieu. Alors, va falloir avancer. Ils se font péter l'anus. En vrai, tant qu'ils n'auront pas fait un trou.
Allez! Arrêtez de vous faire tuer! Tuer au lieu de... Non, 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 ne me faites pas tomber. Allez, là, c'est là qu'il faut avancer. Allez, avancez! Enfer! Que je puisse aller péter ces archers. Oula, 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 je suis en train de voler. Non! Quelle bande de crétins. Alors là, va falloir avancer, genre se pousser, faire quelque chose. Oh là là, l'horreur. Puis du coup, ils se mettent tous dans ma trajectoire, je peux pas taper. Je vais aller chercher celui-là, celui là-bas. 5 morts, 12 blessés, 15 morts, 16 blessés. Bon, pour l'instant, on est en positif par rapport à eux, mais c'est pas la joie. Hein. Mais comment ça? Mais d'où? Je peux pas taper. Ce jeu a un gameplay de combat à chier. C'est une horreur. Je le dis à chaque fois, je sais, mais... C'est... Encore plus flagrant à force. C'est sympa 2 secondes au début, mais alors après. Et le pire, c'est qu'on peut même pas les envoyer se battre tout seul, parce que tout seul, c'est des vrais bouses. Ils se font déchiqueter. Bon, en même temps, je fais les 3/4 des kills à moi tout seul. Alors. Oula, oula là. Non, mais le crétin! Ça, c'est ma faute. C'est pas toi que je visais. Alors. Où? Ta mère. Voilà, ça, c'était propre. Voilà. Oula. Ça. Ah non, mais faut arrêter les flèches à bout portant, ça sert à rien. Enfin, ça... Mais t'es sérieux, comment ça, j'ai pas pu les toucher? Genre quoi, il y a eu un mur qui s'est mis au devant? Voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter, mais je l'ai quand même fait, je suis trop fort. Putain, le nombre de gens que je viens de tuer. Bon. Mais je prends des dégâts, mais je sais pas d'où. Ah, c'est toi qui me tire dessus en permanence, là. Ah, mais il y a un mur, mais c'est bon, t'es pas obligé de faire genre... Ah, je peux pas toucher, il y a un mur à côté de lui. Bon, 17 morts, ça va, contre 125. Un peu dur, hein. Ah oui, mais reste eux. Ah non, mais avec tous les boucliers, oula, j'en ai pas tué un seul. Maître du kung-fu avec une épée. N'importe quoi. Ok, bon, bah, c'est bon tout ça. C'est même très bien. C'est très très bien. On va pouvoir en capturer quelques-uns. Tac, des troupiers vétérans qui avaient des saranides.
Voilà. Pas demander de récompense, évidemment. Surtout que là, c'est bien à côté de chez eux. On va faire vraiment gaffe. J'ai combien de sergents Rodoc? Ouf, 17. Ah oui, d'accord. Enfin, 17 sur 19, donc en fait, j'en ai 19. Voilà. Un peu au pifomètre, mais ça marche bien. Voilà. Et tout est bon. Tout est bon, tout est nickel. Reste les deux grandes villes. Hein. Les deux grandes villes, c'est la galère, hein, actuellement. Je sais pas trop quoi en faire. Peut-être ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'il reste un épisode, là, comme j'ai dit au début. Et donc dans. Oh, des bandits, cool. Allez hop, ça me permettra de mettre un petit peu de quoi afficher. Il reste un épisode à faire, l'épisode 14 de cette saison 3. Et je vous propose que dans cet épisode 14, on attaque une des grandes villes. Je pense que ça pourrait se faire comme ça. On pourra voir si on y arrive vraiment bien ou pas. Ou si en fait on a juste chaté la dernière fois. Et comme ça, en plus, si on y arrive, bah, c'est tout bénef pour la prochaine fois. Vu qu'on leur aura piqué une grande ville à nous tout seuls. Et ça sera bien cool. Bon, hein, je vais laisser faire le. Je vais les laisser gentiment faire, voilà. On va regarder le compteur monter. Toc. Ça monte gentiment tout seul. Ils se font destroy quand même. Hein. La méthode ultra bourrine, bah, elle fonctionne bien en fait. Hein. Là, je regarde à combien je suis de mon prochain level. Il en reste 7. Il en reste moins de 7. Il en reste 2. Il y en a qui se barrent d'ailleurs. Il s'est pas barré longtemps. Et c'est la win! Ok. Ok, ils ont rien, ça sert à rien, c'était nul, recruter des volontaires. Voilà, donc comme je disais, je pense que dans le prochain épisode, on va s'attaquer à une grande ville. Je pense qu'on peut y arriver, on a un bon équipage. Le tout, c'est de récupérer encore quelques unités. Je pense qu'on va revenir un peu sur nos pas, récupérer quelques unités. On va aussi passer à Durcuba, rapidement. Hop. Visiter la taverne. Barn nomade, guetteur, rançonneur. Non, mais oh, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On devrait pouvoir faire tout vendre. Ça serait quand même plus pratique. Ok. Non, non. Je voulais acheter des trucs. Non plus. Je vais trop vite. Ah, mais ils ont plus de bouffe. Ok. Alors. Ah, mais attends, mais Durcuba, il est à moi? Ah oui, c'est vrai, Durcuba est à moi. Mais je suis un crétin. Rapport de budgétaire. J'ai Almar, Durcuba, Château de Weya, Pagundour. Ouais, donc bien Durcuba et bien à moi. J'avais complètement oublié. Ben dis donc, j'ai trop de trucs. Un poste de messager, voilà. Je vais faire des trucs. Parce que de toute façon, ça coûte pas grand chose. Oh merde, ils ont chopé un château. Oh merde, ils ont chopé Yelen. Ils ont pas fait. Et ils ont chopé Praven. Oh là, les putes. J'ai pas vu. Pendant que moi je faisais mon petit truc dans le coin, j'ai pas vu. Oh les cons. Oh les salopards. Bon, changement de plan. Ah d'accord. Ils ont fait la paix. C'est pas le moment. Parce que du coup, ils nous ont piqué deux. Oh les enflures. Oh les empaffés.
Ouais, ils ont pas fait. Mais le truc, c'est que là, on est sorti de la guerre. Du coup, allez voir le comte Talbar. Bah oui. Il est près du château d'Otto de Viancourt. C'est où? Ah, d'accord, c'est pas à côté. Ah, merde. On vient de sortir de la guerre. C'est con. C'est très très con parce que là, du coup, bah moi j'aurais bien. Ah oui, mais du coup la quête est annulée. Parce que moi j'aurais bien récupéré les deux villes. Ah merde! Ah zut! Ah flûte! Ah c'est pas cool ça. Ils ont fait une incursion directement dans nos terres. Une incursion, oui, pas une incursion, ça veut rien dire. Et ils nous ont bien troll, cette bande d'enflures. Du coup, changement de plan, je regarde un petit peu mon chrono, je suis à une demi-heure d'enregistrement. Ouais, changement de plan, je pense qu'on va plutôt que. Enfin, plutôt qu'essayer d'attaquer les petits châteaux qu'on avait en bas et les villes qu'il y avait en bas. Bon, déjà, on va passer à Pagondour. On va essayer de s'attaquer à Yelen. Tout seul. Hein? On va voir si c'est possible. Je vais vérifier ça. Tout doucement, en allant du côté de Yelen. Ah mais je peux pas l'attaquer si on n'est plus en guerre. Ah shit. Shit, shit, shit. Flûte, flûte, flûte. Je regardais combien ils ont d'hommes. Montre-moi. Ah oui, quand même. Quand même, quand même, quand même. Oui, bon, ça complexifie un peu tous mes plans. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là l'épisode, et puis je vais faire une coupure où je vais attendre la prochaine guerre pour savoir bah, contre qui on va se friter. C'est pas très compliqué, hein, ça risque d'être un des trois derniers restants. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est vraiment qu'ils ont récupéré deux grandes villes. Encore le petit château, celui-là, on peut le récupérer facilement, c'est pas un problème. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'ils aient récupéré Yelen et Praven. Et ça, c'est pas sympa. Il va falloir aller les récupérer. Ah, bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite et le dernier épisode de ce Let's Play sur Mounted Blade Warband saison 3. Aïe, salut à tous, portez-vous bien!